Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux petits colis service presse. Ça devrait être assez rapide et je vous présente ça de suite. On attaque avec un colis Kiyun et tout d'abord le troisième tome de Sweet Home, le webtoon au format relié par le même auteur que Bâtard. Pour le moment, j'aime beaucoup et même s'il ne détrône pas Bâtard, c'est vraiment une très très bonne lecture et j'avais hâte de découvrir la suite. On finit chez Kiyun avec le quatrième tome de l'Eden des sorcières. Le troisième tome était incroyable et j'avais trop hâte de lire celui-ci. Un très très bon manga où l'écologie est abordée avec justesse dans un monde fantasy vraiment ultra sympa. J'ai trop hâte de lire. On passe à un colis Vega et on attaque avec un autre webtoon au format relié. Il s'agit d'Arena, donc le webtoon écrit par le chef otaku. Franchement, je partais avec des a priori et j'ai adoré le premier tome. Ça a été une super bonne surprise pour ma part. Donc j'ai très hâte de découvrir cette suite. Et on finit chez Vega avec le premier tome de The Far East Incident qui a l'air de se dérouler pendant la guerre. Je sais pas si ça va forcément me plaire à voir en le découvrant. J'avais pas forcément prévu de le recevoir, mais ce sera donc un titre à découvrir. Et voilà pour les petites réceptions du jour avec du webtoon et du manga. Au moins c'est très très complet, je vais pouvoir continuer tes lectures. Et d'ailleurs je pense que je vais aller me faire une bonne soirée lecture. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des bisous tout le monde.